j'ai été servante d'hôtel parce qu'avec Jade, c'est une autre servante, on a été invité à un petit déjeuner. Et du coup, depuis, on nous a dit, vous voulez faire le serment avec nous parce que après ils allaient directement à la messe, donc on a dit oui, pourquoi pas. Et après, depuis tous les dimanches, on y va. On nous a donné une robe et toute la tenue. Et du coup, depuis, ça nous plaît beaucoup. Voilà. Donc tu es porte-croix, c'est-à-dire que dans ta place pendant les processions, il y a une procession d'entrée, une procession de sortie, et le porte-croix se place où ? Mais il se place toujours devant les autres servants d'hôtel. Il porte la croix et à la fin de la messe, tous les servants d'hôtel saluent la croix. D'accord. Ainsi que le prêtre. Donc la croix dans la place de la croix, du porte-croix, c'est toujours devant. Oui. Et ensuite, il y a le prêtre et le serviteur qui suivent la croix. Oui. D'accord. On suit le Seigneur. On sait ça. Très bien. Merci. Alors, chaque servant d'hôtel a un rôle bien précis. Nous allons commencer par le porte-croix. Et après le porte-croix, suivent les séroféraires. Bonjour. Bonjour, Jonas et Rudy. Donc, pouvez-vous nous présenter le rôle du séroféraire, s'il vous plaît? On porte des flambeaux. Le séroféraire, c'est celui-là qui avance, qui est derrière la croix, qui est là. S'il y a un porte-évangile, donc un diacre ou un prêtre qui porte l'évangile, ils sont là pour éclairer l'évangile comme s'ils éclairaient le Seigneur. Et si c'est la croix, ils éclairent la croix du Seigneur. Voilà. Pendant la messe, vous n'intervenez pas seulement au moment des processions d'entrée et de sortie. Les séroféraires, vous intervenez à un autre moment aussi. Oui, lors de l'évangile, parce que pour essayer de transformer le prêtre en le Seigneur. D'accord. Pour l'illuminer. Merci, Jonas et Rudy. Bonjour, Noé. Bonjour. Alors, pourrais-tu nous expliquer à ton tour quel est ton rôle, s'il te plaît? Alors, moi, pour la messe, je suis naviculaire. Donc, ça consiste à... tu dois toujours, sauf avec quelques petites exceptions, suivre l'encensoir. Et des fois, il y a le prêtre, on fait bénir l'encens qui est dans la navette, on le met dans l'encensoir. Et après, on voit devant l'assemblée et on est béni. D'accord. Donc en fait, il y a une personne qui porte l'encensoir et toi tu es à côté et c'est toi qui porte l'encens, c'est ça? Oui. D'accord. Merci Noé. Au revoir. Bonjour Marie. Bonjour Claude. Toi tu viens juste d'arriver au sein du groupe de Serment d'Hôtel. Pourrais-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Je m'appelle Henri Dossa, j'ai 11 ans et j'ai décidé de faire partie du groupe de Serment d'Hôtel parce que dans ma famille, mon frère et ma soeur ont été et je veux être un tour. Et je veux continuer parce que j'aimerais être dans la voie du Seigneur. Et voilà. C'est super, oui. Et bienvenue au sein du groupe Serment d'Hôtel. Bonjour Gabriel. Bonjour Claude. Pourrais-tu nous expliquer ton rôle, s'il te plaît? Alors moi, au sein du groupe des Serments d'Hôtel, je suis cérémoniaire. Cérémoniaire, c'est-à-dire? Alors cérémoniaire, c'est-à-dire que je coordonne les gestes de la liturgie. Donc en fait, je veille à ce que la liturgie soit belle. D'accord. Et en fait, c'est un peu toi le chef des Serments d'Hôtel, alors? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. Oui, non, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu as un rôle particulier en tant que cérémoniaire, plus que les autres, ou Serments d'Hôtel ou pas? C'est-à-dire que moi, en fait, durant la célébration, je suis assis juste à côté du prêtre. C'est-à-dire que c'est à moi que le prêtre peut demander d'un jeu de... comme aller chercher des feuilles ou quoi qui manque. D'accord. Donc, le cérémoniaire est la personne qui assiste le prêtre. C'est ça. D'accord. Merci, Gabriel. Bonjour, Samuel. Bonjour, Claude. Donc, toi aussi, tu es nouveau dans le groupe des Serments d'Hôtel, comme Henri. Donc, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Samuel, j'ai 13 ans et je suis enfant de cœur. Enfant de cœur. Et pourquoi veux-tu servir? Parce que on m'a obligé. On t'a obligé? Oh oui! Non, c'est pas possible. Quand on sert le Seigneur, on le fait on le fait librement, par amour du Seigneur. On ne peut pas dire parce qu'on m'a obligé. Ça, c'est pas possible. Ah, mes parents voulaient que je le fasse. D'accord, mais tes parents qui ont obligé, mais prends-tu du plaisir à servir? Je sais pas.
D'accord. Bon, mais j'espère que plus tu serviras le Seigneur et plus tu aimeras faire ça. Merci Samuel. Au revoir Claude. Au revoir Samuel. À jamais.